Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Shin Megami Tensei Nocturne sur PlayStation 4. Vous le savez, comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité. Merci de suivre ce Let's Play. Alors, nous en étions dans la tour de Kagutsuchi. Mais je vous avais dit, enfin, on va dire par la force des choses, en nous rendant dans la cathédrale des ombres, on avait obtenu un objet clé. Alors voilà, l'épée du seigneur, une épée légendaire censée avoir appartenu à un grand empereur. Cette épée va en fait nous débloquer la dernière quête, la quête qui va nous permettre d'obtenir le Magatama ultime, puisque nous les avons tous. Alors, On va déjà envoyer Pisaka parce que je sens que ça va. Voilà. Tac. On va repartir en arrière. Pour être honnête avec vous, il a fallu que je regarde le chemin le plus rapide pour y aller parce que je ne m'en souvenais plus. Mais alors, vraiment plus du tout. Alors. Voilà. En fait, c'est en haut de la carte. Mais plutôt que de chercher pendant 100 ans, je me suis dit, allez, au mieux regarder. Donc, le mieux, c'est d'aller par l'assemblée de Nihilo, de quitter l'endroit. Alors, l'endroit, la sortie, elle est là. Et ensuite de nous rendre dans cette zone qui clignote là-haut. Alors, je recherche le chemin, voilà. Putain, c'est pas possible de mettre un combat. Gurulu, ouais. Bon. Ah, il a Talion quand même. Hein. Vous voyez que les ennemis, quand même, ils font un petit peu de dégâts. Bon, faut dire qu'on a une équipe, pas de bras cassés, mais bon. Tu veux m'embaucher? T'es au courant que je suis la race Raptor. Je vais t'écouter. Ok. Ah, si en fonction de la race qu'ils ont, des fois, il n'y a pas moyen. Alors ça, c'est un peu aussi lié au fait que moi, j'ai décidé de m'allier avec, en gros, les ténèbres, quoi. Il n'y a pas un petit truc de soin, plus soft. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer un truc. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai après. Comme vous voyez, j'ai un petit peu modifier l'équipe. Voilà, donc déjà on va se rendre dans la dite zone. Déjà, putain. Voilà. Je crois que c'est ici, hein. Normalement. Vous voyez la tombe de Masakado. L'épée du seigneur se met à briller. Une vive lumière vous entoure. Et donc, le temple de Bandou. Voilà. Nous sommes dans la quête. Ouf. Bon. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Alors, je voulais un petit peu vous montrer avant l'équipe. Kali, vous la connaissez. Vetala. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que après avoir arrêté la vidéo précédente, comme à chacune de mes vidéos, peut-être que vous le remarquerez, j'essaye de prendre quand même un niveau. Des fois deux, si vraiment ils sont généreux en expérience.
Et il s'est avéré que j'ai réussi à. Bah, c'est la persona elle-même qui a voulu venir dans l'équipe. Du coup, je l'ai fusionné avec. Je sais plus trop comment il s'appelle. Et ça m'a fait Vetala. Voilà. Donc lui, il est amené à partir très bientôt. Hein. C'est juste que comme je ne l'avais pas et que j'avais plus de place. Voilà, donc Vetala. La Chaisis. Elle qui remplace notre soigneuse remplaçante, on va dire. Voilà, Chaisis, c'est pareil. Il y a une persona qui est venue. Je sais plus si c'est moi qui l'ai récupérée ou si elle est venue d'elle-même. Et voilà, je l'ai fusionnée. Du coup, on a récupéré la Chaisis. Bon, Pisaka, vous le connaissez. Floros, je l'ai pris moi-même ou c'est lui qui est venu, je sais plus, mais c'est toujours au même endroit hein, dans la tour de Magatsushi. Voilà, donc bon, pareil, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas, mais comme Vetala ou la Chaisis, ils seront amenés à partir. Et Lilith, par contre, je sais même plus si c'était avec vous ou pas, mais elle, je l'ai capturée. Enfin, je l'ai capturée. On a négocié, et putain, qu'est-ce qu'elle était. J'en ai raté deux de Lilith. Hein. Chaque fois, elle me disait non, non, non. Et la troisième, elle m'a dit bon, allez, ça va. Elle m'a parlé de fleurs ou de je sais pas trop quoi. Alors, moi, j'ai voulu jouer le gentil. J'ai dit ouais, super les fleurs. Et elle m'a dit ah ouais. Elle m'a dit ciao. Ah, j'ai dit bon, alors bon, en même temps, c'est Lilith. J'aurais pu comprendre que. Enfin, deviner du moins que les fleurs, c'était pas trop son délire. Et du coup, lors du troisième affrontement, elle m'a encore parlé des fleurs. J'ai dit, putain, les fleurs, je déteste ça. Elle m'a dit, ok, je te rejoins. Voilà, bon. Du coup, Lilith niveau 80, elle, on va dire, bon, ben voilà, ça fait une persona niveau 80 dans l'équipe avec Pixie. Donc, voilà. Voici pour les transferts, le mercato. Alors, bon, ici. Alors, de mémoire, on va affronter plusieurs boss. Vous voyez qu'il y a des couleurs jaune, vert, bleu et rouge. Et voilà, je ne veux pas trop vous dire de bêtises, mais on va affronter 4 boss. Et à chaque fois qu'on battra un boss, je sais pas, il y aura un truc avec la couleur qui va se passer. Alors je sais plus si elle va s'éteindre ou si elle va s'allumer ailleurs. Et une fois les 4 boss battus, on aura le boss, le dernier boss de cet endroit, quoi. Voilà, et eh ben écoutez. On va y aller, hein. Bon. Allez. Je sais pas où il faut aller, hein. Voilà. Aucune idée. Son Excellence repose dans ce sanctuaire. Tu dois abaisser les 4 piliers et vaincre les 4 rois célestes pour pouvoir le rencontrer. Voilà, ben, c'est ce que je vous ai dit en plus rapide. Lui, c'est du concret. On va devoir abaisser les 4 piliers, donc en battant. Donc lui il nous parle de roi céleste. Ouais. Mais ils sont vachement puissants, alors fais attention. Ok. Ouais bah ça promet. Allez, alors on va aller dans la couleur jaune. Ah. Regarde, n'avait pas de feinte. C'est le chemin là? Ouais. Chemin, il m'amène un pilier, l'autre il m'amène où là-bas? L'autre il m'amène à une espèce de grotte. Bon, on va voir. Peut-être que si je clique, ouais, voilà, il va y avoir un boss. Enfin, je suppose. Alors, Magatama, qu'est-ce que je vais me mettre un truc qui m'évite les. On va dire, j'ai pas la moindre idée de qui je vais affronter. Bon, on va se mettre. Annule entrave, renvoie la foudre. Annule l'ombre.
Alors, on va encore mettre lui. Oh, ah, non, c'est pas des anges et c'est pas des démons. Non, mais c'est important parce que si ce sont des démons, il faut prendre un truc contre Mudo. Et si ce sont des anges. Mais je crois pas que y ait ça. Je crois que c'est un truc basique, hein. Feu, glace, foudre et. Putain, je me rappelle plus. Hein. Ouais, l'autre, c'est Nirvana, annule la lumière. Bon, on va mettre Nirvana. Ah putain, il crée l'ombre. Non, on va éviter alors. Résiste physique, annule la lumière. Voilà. Plutôt lui, Gaïs. Voilà. Je veux pas avoir de faiblesse. Et puis, je sais très bien que c'est pas le meilleur Magatama, mais comme j'ai pas le souvenir de celui qu'il faut utiliser. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un boss là? Il y a un pilier. Abaisser le pilier. Bon, si j'abaisse le pilier, ça va partir en couille. Hein. Bon, allez, c'est parti. Après, en même temps. Comment oses-tu abaisser ce pilier? Si tu comptes entrer dans le sanctuaire, tu devras surmonter mon épreuve. En garde. Bon. J'ai des musiques de boss, comme on les aime. Alors, c'est parti. Hein. Alors, dégâts physiques élevés, dégâts de foudre élevés, dégâts de. Nul, dégâts de. Bon, allez, on va essayer celui-là. 450 EV. Bon. Concentration. Oh, on va la faire à l'ancienne. Hein. Comme toujours, on va utiliser notre bonne vieille stratégie. Ah, les griffes de fer. 1306. Bon, ça commence bien. Allez, œil de dragon. Ah, ça, attaque magique. Bon, alors lui, c'était la foudre. Bon, faudra que j'y pense. En même temps, bon, couleur jaune, foudre, ça tombait sous le sens, mais bon. Sait-on jamais, tant que je mets un truc contre la foudre et je peux l'avoir qu'avec la foudre. Bon, fait. Alors, dégâts élevés. On va faire ça. Voilà. Affaiblissement. Voilà. Griffe de fer. Oh putain, il a raté. Oh. Tu m'as un nan. Hein. Allez. Hein. Alors, on va modifier la stratégie là du coup pour soigner le héros. T'aimes Enix, ça. Bon, tu es prié de le toucher cette fois. Merci. 2898. T'as dû lui faire du mal, ça. En même temps, s'il attaque. S'il a une grosse attaque, mais qu'il a une précision très faible. J'ai presque enlevé 6000 en deux tours. Bon là il s'est augmenté deux fois l'attaque magique. Bon elle reste quand même assez basse. Pas besoin de soigner. Dégâts élevés un ennemi, oui.
810, c'est bien. Concentration. Deisuju, Deisuju, Deisuju. Non, il peut pas me tuer. Je pense pas qu'il puisse. Hein. Toi, fais-lui un petit affaiblissement. Bon, histoire 2. Hop. Et le héros. Allez, défonce-le. 3285. Mais on bat des records là. Mais par contre, il en a de la vie. Hein, oh. Raté. T'es raté. Putain, c'est sûr, si j'avais mis un truc contre la foudre, je l'aurais pu revu le boss. Hein. Enfin. Alors, passer. Concentration. Petite prière. ...3373, hein, mais on peut battre encore des records, faut croire. Méditation. Voilà, Isuju, il a récupéré sa magie. Bon, il fait toujours pareil, le boss. Hein. Franchement, c'est vraiment un bené. C'est vraiment pas un boss difficile. C'est peut-être pour ça que c'est le premier. Oh, jamais tu penches un peu, là. Putain, il a l'air en pleine forme encore. On va passer. Bon, ça t'enlève toujours un peu de magie, hein. Comme ça, c'est calme. Alors, va-t-on battre notre record? Ah bah, merde, y pencher. Bien joué. Bah, c'est plutôt toi hein, qui a mal joué, mon ami, hein, mais bon. Allez, 5000. Hop, et on sent de vitalité. Donc lui, il faut... Drac, je pense à prendre... Enfin, vous notez qu'il faut un Magatama contre la foudre. Alors ici, ben, je peux plus rien faire. On va remonter. Alors, passer par là. On va voir s'il y a quelque chose. Voilà un petit peu ce qui nous attend. On va affronter un petit peu tous les dieux comme ça, là. C'est quoi, c'est un trou, ça? Ah! Putain, 50 000 maca? Ah ouais! Bon, alors, bah du coup... Ici, il n'y a plus rien. Ici, on est d'accord qu'il n'y a plus rien. Il y a un chemin là. Alors, Pizaka, estomac, hop. Ouais, il y a un chemin. Et là, il y a un chemin. Bon, on va aller par là, on va voir un peu. Oh là là, il y a un coffre au moins. Oh là là, bon. Il n'y a pas de chemin ici, non. Ouf. On va descendre. Là, j'ai l'impression qu'on... Attendez. On va essayer. J'ai vu une lumière bleue en haut, alors... Ouais, voilà. Là, j'avais peur qu'on revienne tout au début, mais... Ah, prends le coffre. Encore 50 000, putain, mais les coffres, ils sont intéressants ici, hein. J'ai gagné 100 000. Ah. Alors, on va où là?
Ah, lumière rouge, où il y a un trou. Ah, il y a un trou, merde. Allez, alors, de l'autre côté. Ah, il y a une lumière verte là-bas. Ils vont toutes me les faire, hein. Bon, si c'est la lumière verte, il y a de fortes chances qu'il utilise des attaques de vent. Donc, on va essayer de se la jouer comme ça. Voilà. Alors. Le vent. Mal. Altération. Feu. Normal. Physique. Lumière. Ah. Absorbe le vent. Gundari. Par contre, je crains la foudre. Ah, il va pas me faire des attaques de foudre. C'était son pote qui faisait ça. Allez. On va voir. De toute façon, les ennemis, ils n'arrivent même pas à me toucher. Hein, donc, c'est pas la peine de se prendre la tête à les Magatama. Sauf quand il s'agit des attaques mortelles. Allez, abaissons le pilier numéro 2, hein, faut croire. Ah, il est rouge. Hein. J'espère que je me suis pas trompé. Comment oses-tu abaisser ce pilier? Bon, en même temps, peu importe les couleurs, hein, ils n'arrivent même pas à me toucher, les boss. Hein, donc, Voyons si ce combat n'est pour toi qu'une épreuve ou un châtiment divin. Prépare-toi. Allez, hein. C'est parti pour le numéro 2. Alors, nous, on va toujours utiliser la même stratégie. Hein. Ah, vous avez vu que c'est le héros, n'empêche, qui a joué en premier. D'habitude, c'est Raiden. Alors, logiquement. S'il s'agit du gardien du vent, hein, puisque c'est la lumière verte, il devrait craindre peut-être la foudre. Ah ben voilà, nickel. Alors, Daisuju, du coup, tu peux jouer, mais bon, honnêtement, je sais pas trop ce que je vais te faire faire. Vas-y, fais prêche. D'accord, laisse tomber. J'ai perdu même un tour. Voilà, heureusement qu'elle est là, elle. Allez, hein. Espérons qu'elle soit pas trop dure. Alors déjà, ils augmentent la défense. Ils nous baissent la nôtre. Ouais, d'accord. Bon, le héros, il faut qu'il fasse gaffe quand même. Hein. Alors déjà, on va faire ça. Bon. Alors, bah du coup, je vais t'envoyer la foudre, toi. Ouais, on va essayer de garder les points de vie du héros élevés, parce que... Remarquez, il s'augmente la défense, mais il s'augmente pas l'attaque. Par contre, il me baisse ma défense à moi. C'est ça qui est dangerous. Ouais. Faudrait peut-être une persona qui m'augmente la défense, mais je sais même pas si j'en ai une. Réfléchissons. Ah, il est paralysé. T'as. Autant lui piquer sa magie. Peut-être qu'il pourra plus faire œil de dragon au bout de. 3 heures de combat. Voilà, il s'augmente la défense. Et il me baisse la mienne. Ok, mais son attaque, elle bouge pas. Bon, d'accord, bah, c'est bien celui du vent déjà. Concentration, c'est actif. Griffe de 1125, ok. Fouvre. Voilà. Daisuju, du coup, tu vas faire quoi? Daisuju, tu as un peu des attaques de merde quand même. Hein ouais, Daisuju, il commence un petit peu à être obsolète. Hein. Ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Toi, c'est fait? Non. Voilà.
Il me gonfle avec sa défense là, laisse augmenter la sienne, baisser la mienne. Ah ouais, putain. D'accord. Eh ben putain. Alors. Lâchez-y. Détala là. Ou Lilith. Non. Pixie. Alors, Pixie. Abusé, hein. Bon, on va avoir un peu plus de challenge. Putain, mais... C'est bon, ouais. Alors... Faut que je rappelle Nyx. Alors, comment je vais procéder là? Si je passe mon tour, ça va être à Raidou de jouer. Raidou, il a rien, il peut rien faire en fait d'intéressant. S'il peut lui mettre la foudre pour gagner un tour. Pixie, je ramène à la vie. Et ça va revenir à moi de jouer. Allez, on va faire ça. Passer. Ah, c'est Pixie qui joue en premier? Alors. Raidou. Foudre. Le héros. Il rappelle Nyx. Et Pixie Medjaran. Voilà. Ouf. Allez. On revient dans le game. À moins qu'il s'acharne encore sur le héros. Oh putain, concentration, ça me plaît pas ça. Bon, ça va. Là, ça va plus. Il est bien chiant ce boss là. Concentration. Pixie. Medjaran. Bon, Pixie elle pourra pas tenir 100 ans avec Medjaran. Foudre. On va gagner un tour. Affaiblissement. Et on voit lui une bonne griffe de fer, cet enfoiré. Oh, putain, ça faisait longtemps. Alors, il va falloir que je ramène à la vie Deisuju, ou alors que j'aille... Bon, ça va. Il a perdu un tour. Pixie, elle est pas mal, mais... Déjà, au moins ça c'est fait. Raidou, foudre. Oh, les points de magie là, ça commence à être chaud. On va récupérer ça de suite. J'ai fait concentration déjà. Ouais. Ouais, allez. Ah, il est plutôt costaud lui quand même. Ouf. Bon, je
suis passé entre les gouttes encore. Mais il s'acharne sur le héros en plus, cet enfoiré. En fait... Allez, de toute façon... Bien. Ah, je rejoue. Ouais, hein. Pas le héros. Qu'il est en... T'es, il rend fou. Bon, allez, on recommence. De toute façon, à part la défense, toutes ces autres statistiques, elles sont à zéro. Comme il s'acharne sur le héros. Ah mais je veux pas utiliser sa magie alors. Attaquer? Bon en tout cas, je sais pas si c'est moi, mais il s'augmente plus sa défense. Vous avez remarqué? Il s'augmente plus sa défense. Du coup, je vais en profiter. Concentration. Rien du tout. J'ai baissé encore la défense. Allez, 2004. Et là, Pixie, je vais pas prendre de risque. Et Raidou. Vas-y, on y est. Oh, si ça augmente pas la défense, c'est bon. Ah ouais, il préfère privilégier l'attaque cette fois-ci. Bon, ça va. Alors, concentration. Pixie. Du coup, Pixie... J'ai gagné ? Ah ! Kumokuten est vaincu. Bien joué. Bah merci hein. Bah du coup alors on va augmenter quoi ? Niveau 84, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Un petit peu de vitalité. Bourrasque, bof. Dégâts de vent colossaux à un ennemi. Ouais, c'est sympa, mais. J'utilise pas la magie. Undari. Bon, je suis soigné. Bon. Eh ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va les faire deux par deux parce que imaginons qu'il y en a un qui me bat. Il faut tout que je refasse derrière, je me sens pas. On va... Putain, c'est qui déjà? C'est Deisuju. Ouais, Deisuju, il m'a déçu quand même. Hein. En fait, c'est pas qu'il m'a déçu, c'est qu'il est au maximum de chez maximum. Il a plus de compétences intéressantes. Ah ouais, voilà. Voilà, j'avais pris la chaisisse pour ça. Tarukaja, Rakukaja, Makakaja, Maka... Bon. Voilà, il y a... Ah, tac, Floros, qu'est-ce qu'il a, lui? Là...
Lilith. Lilith, elle est juste énervée. Bon, on va... on va changer un peu. On va mettre la chaisiste. Ça va nous changer un peu la stratégie et ça fera pas de mal. Je crois que je vais en profiter pour me soigner aussi parce que putain, ils ont bien morflé. Hein. Allez, bah écoutez, on s'arrête là. On en a abaissé deux de piliers. On verra pour abaisser les deux autres. Et puis, puis après, on affrontera le boss ultime. Hein. Je suppose que c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus... Bah c'est, on avait l'épée de quelqu'un et bah ça doit être ce quelqu'un qu'on affronte. On verra ça très bientôt. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop courte non plus. Voilà, deux combats de boss, un petit labyrinthe. Je vais voir comment je vais faire pour repartir en arrière. Et puis voilà, tranquillou, on progresse. Et puis quand on en aura fini avec cette quête, on retournera... dans le dernier chapitre, je vais y arriver, la tour de Kagutsuchi. Voilà, sachez en tout cas que si déjà je fais ça, c'est parce que le jeu on le fait à 100%, donc forcément je suis obligé de le faire, et parce que lorsqu'on aura battu le boss de cette quête, déjà on obtiendra le dernier Magatama. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Allez, je vous laisse. Merci encore. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.